fois pour faire un nouveau rond-tour de ma chambre. Car ça a tout changé, on a déplacé les choses de place, on a enlevé des choses qu'on a données aux enfants et puis on a encore tout changé, on a placé des choses et voilà. Oui, coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour le room tour d'Océane, à nouveau pour la rentrée. Oui, oui. Parce qu'il faut savoir qu'Océane rentre en... CP. Alors tu vas avoir des devoirs, voilà, la grande école, et tu vas avoir des devoirs. Donc on a un peu aménagé la chambre d'Océane en fonction de son année scolaire, parce que maintenant ça y est, c'est une grande. Alors c'est toi qui nous amène dans ta chambre, qui nous montre un peu. Oui. Allez, alors, c'est parti. Alors là, on a un mur de petits cubes. Alors, le mur de petits cubes d'Océane, voilà la grande nouveauté de cette année. C'est alors, que, ben, on a enlevé quoi? Il y avait quoi là, tout le long là? Pour ceux qui avaient vu, les amis, il y avait quoi? Une étagère. Et puis là, il y avait un matelas où quand il y avait des gens qui dormaient. En fait, c'était un canapé qui faisait lit, voilà. On a tout enlevé et on a mis toutes ces cases, en fait, tous ces casiers pour ranger tout le bazar d'Océane. Voilà. Donc, on a trié. Côté Peppa Pig, voilà. Société, on a les pinipons, la mini, etc. On a les gros sur les gangs avec les zomblings, etc. Toutes les petites choses. Là, on a les monsieur, madame et à la maison de Madison Polly. Là, on a le buste, les six baïons qui sont juste à côté, là, si vous ne verrez pas. Ça veut jouer avec. Là, on a les perles à main. Là, on va regarder, il y a les plaidos, si vous ne verrez pas. Voilà, les plaidos. Et ensuite, en haut, on a quoi? Alors, on a... On a la maison de Oui-Oui que je vais donner, car j'ai plus l'âge de Oui-Oui. T'as plus l'âge de Oui-Oui? Ah, tu vas le donner à quelqu'un qui en a besoin? Oui. Il faut savoir que Corentin et Océane donnent beaucoup de jouets. Notamment à l'école, ils récoltent. Et puis au secours populaire, au secours catholique, ils donnent à la Croix-Rouge, ils donnent à plein d'enfants, d'organismes qui aident les gens qui en ont besoin, des enfants qui en ont besoin. Donc voilà, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de jouets. Et puis vous aussi, vous pouvez faire pareil pour faire de la place dans votre chambre, par exemple. Ça peut être sympa pour ceux qui en ont besoin. Alors, on reprend. Là, on a la voiture de Barbie également. Car moi, je suis fan des Barbies. Ah oui, t'es fan des Barbies, ça c'est sûr. Là, il y a le parc aquatique des Playmobil qu'on avait eu à Noël pour Corentin et moi, si je dis bien. Là, on a une grosse tête à coiffer qui est mal coiffée, qui a plein de nœuds, qui a sa frange là devant. Donc, elle demande plus qu'à être coiffée. Ok, je vois que tu m'as piqué mes pansements encore une fois pour tes poupées derrière. Ouais. Il y a le petit dé que vous aviez fait en pâte. Il tient bien, il n'est pas cassé. Hein. En pâte. Ouais. Oui, Pam, de Cléopâtre. Voilà, c'est en ça. Voilà. Il tient bien. Hein. Ensuite, donc, on va faire. On va peut-être pas tout détailler parce qu'il y a plein de bazar ici. On a des jeux de société, des puzzles. D'ailleurs, on vous avait fait gagner un Happy Bougie, si vous vous souvenez, une fois. Il est là, le Happy Bougie. Et on en avait fait gagner un aux copains, tu te souviens? Ouais. Et ensuite à côté, alors là où il y a les portes, parce que là on peut rajouter les portes, mais bon, c'est plus facile de ne pas les mettre. On peut faire toutes les portes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors on a mes habits. Alors là, on a toutes mes robes. Hein. Là, la robe de quand j'étais chez mon papy ou quand il s'est marié. Là, mes pyjamas de Noël également. Ouais, bon, on va pas faire tous les vêtements quand même. Ah, on a les gilets, enfin bon, là on tu ranges tes pyjamas, tes robes. Là, on range. Là, c'est côté jupe. Toutes tes jupes, ouais. Jupe et quelques robes là. Ouais. Que ça fait. Et puis là, tout ce qui est t-shirt, ou à manches longues. Plus bas, là, on a pyjama, on a des leggings. Puis en bas, tout ce qui sont dessous, maillot de bain, etc. Et les bonnets. Et culottes, et puis voilà. Voilà, ça, bon, c'est pas très, très intéressant. Ouais. C'est ok. Donc, tu ranges tout ton linge ici. Oui. Voilà. Et puis comme ça, tu peux bien l'attraper parce que c'est juste à ta hauteur. On continue avec quoi? Avec cette petite partie là? Oui, alors ça, c'est ma table de Sylvanienne. Alors voici la table de Sylvanienne d'Océane qu'elle avait eue à son anniversaire. Alors je vous montre un petit peu comme ça. On l'a tout aménagé. Voilà. Bon, voilà, les dessus sont tombés. Enfin bon. On a tout laissé tomber dans tous, regardez. Tout le monde dort, elle a mis les chaises et tout, voilà. Je les ai mis en pause quand on est normalement. Le frigo, voilà. Donc il y a tous ces Sylvanienne ici. Parce que ça prend de la place. Et j'ai eu des nouveaux trucs des Sylvaniennes. Ouais, t'en as eu d'autres. Alors j'ai eu la télé et puis j'ai eu
Le bus que vous avez montré. Le bus qui est ici, le bus scolaire. Ok, donc là, t'as tout ton coin, c'est quoi là? Là, c'est tout mon coin de poupons, bébés, habits, etc. De bébés, voilà. Lui, il dort. Lui, en bas, il dort. Tout le monde dort. Posé, tout le monde dort. Ok, puis ta petite caisse à jouer, là-bas, il n'y a pas grand-chose dedans. Ouais, il n'y a que des poupons. Ok, et fait. Puis là, il y a sa poussette, son caddie. Alors, on continue par quel côté de ta chambre? On va vous montrer une affiche qui est affichée là. Une affiche ici? Alors, ah voilà. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, bon ben là j'ai le mur mais je ne peux pas prendre plus de recul. Mais ça c'était lors d'un challenge. Oui, et là il y a mon truc. C'était le 3 marqueurs challenge XXL et puis là il y a la poisse d'océan pour se mesurer. Mais là j'ai pas grandi du tout. Ouais, alors tu fais combien? 1m12, nickel. Elle s'est cassée la queue. Elle s'est cassée la queue, donc elle est à l'hôpital en fait, c'est ça? Ouais, je sais pas. Alors là, en fait, c'est l'hôpital d'Océane. Ouais, et c'est à Wave Island que je l'ai eu. Si oui, tu l'as eu à Wave Island, si vous vous souvenez. Et là, on a quoi là? Je vais ranger ça. Je sais pas. Alors, c'est quoi ce truc que tu vas faire manger à maman, c'est ça? C'est à manger pour les bébés. Maman, c'est pas de la vraie nourriture. Ah, d'accord. Oh, alors là, d'ailleurs, c'est... j'ai mis le four en rouge. Alors là, c'est ton coin cuisine en fait, c'est ça? Ouais. Et avec les brosses à dents, je me brosse les dents là. Oui, mais c'est pas, c'est pour deux fois, oui. Et puis pour tes poupées c'est aussi. Pour mes poupons, c'est ça. Hein. Voilà. Il y a des crocodiles très accueillants qu'on a eu à la ferme aux crocodiles. Voilà, c'est les miens. Crocodile ? C'est les miens. Ou crocodile ? Crocodile. Crocodile, moi je crois quand même. Crocodile. Voilà. Je les ai vus à la ferme aux crocodiles. En fait, c'est moi qui les ai vus parce que. Ok. Je voulais avoir celui du corps. Alors j'en ai eu deux, voilà. Ok, bon, alors on continue avec. Là c'est la petite nappe où je mets tous mes trucs et là je repasse. Ok, et ensuite, alors on va où dans ta chambre là? Ici? Déjà on a mangé là. Ici, qu'est-ce que c'est ici? C'est la mon grosse, nouveauté de cette année. Oui, c'est mon bureau, alors là il y a une photo de Swanet. Oh, Swan Cooking, qui nous avait envoyé une petite dédicace d'ailleurs. Et c'est moi qui ai fait les cœurs et tout derrière. D'ailleurs, Swan, si tu passes par là, eh ben, je te fais des gros bisous. Mouah. Et aussi aux autres, hein, parce que j'ai une photo de toi. Trop mimi, ma chérie. Alors, on continue avec ton bureau. Alors, qu'est-ce que tu as sur ton bureau d'autre? Mon ordinateur que je viens d'avoir. Hein. Alors, tu viens pas juste de l'avoir. Non, c'est ça que... fait un an que tu l'as, c'est ta mamie qui te l'a offert. Oui. Voilà, le petit ordinateur que la mamie a offert à Océane. Je viens d'installer. Pour regarder ses vidéos YouTube, voilà. Ouais, parce que j'en avais pas avant. Mais non, t'en avais pas, non. C'est mamie qui te l'a donné. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu colories là? Une longue bande dessinée qui vient de... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est... Simonette. Fanny. Ni. Et oui, Stéphanie d'où? D'Alsace. Et oui, c'était Stéphanie d'Alsace, une abonnée à nous. D'ailleurs, toi aussi, si tu passes par là, on te fait de gros bisous. Gros bisous. Voilà, donc Sam, elle est en train de colorier tes coloriages. Elle n'a pas fini, hein. Il y a beaucoup oui, de coloriages. Oui, regardez, j'en ai encore. Ouais, t'en as encore plein à l'intérieur. Ouais. On continue avec quoi alors, ma chérie? Donc là, donc il y a le bureau, le casque, ok. Là, t'as quoi dans cette boîte-là? Dans quelle boîte, elle? Non, pas celle-ci. Celle-ci. Alors là, c'est ma boîte où j'avais eu à bord Burkina mon anniversaire avec la peinture dedans. Maintenant, il n'y a plus de peinture. 3, 2, 1. Il n'y a que les coloriages et là, il y a tout. Il y a quand même la peinture aussi. Oui, il y a quand même la peinture. Et ça, c'est quoi? Regardez, je vais vous en faire un tampon. Ah, mais c'est un tampon? Bon, bah, c'est pas la peine. Si c'est des tampons, hein. Ouais, attendez, viens en ouvrir juste un. Oh, lui, il est sympathique, regardez. Oh, les jolies, ce sont des tampons de Pâques, oui, voilà. Que j'ai eu à Pâques. Donc à l'intérieur, tu as tout ton bazar et puis je crois que tu as tes feutres, c'est ça? J'ai pas mes feutres, j'ai mes crayons dedans, j'ai que mes crayons. Ok, ok. Et puis, ben, on a quoi d'autre? Ouais, petit stylo, magique. Que j'ai eu, alors ça c'est avec mon papy quand j'étais en vacances chez mon papy. J'allais à un aquarium de Lyon. Voilà. Un aquarium de Lyon. Et j'ai découvert, j'ai eu un stylo et j'ai eu ça. Le stylo est très sympa parce que c'est regardez, gâté, hein. Il y a un truc de particulier, ah, une gomme sur le stylo. Oh, trop bien ça. Ah, c'est trop particulier. Enfin, un petit peu. Hein.
Alors là, ensuite, on a dessous. Donc, qu'est-ce que tu as rangé dans ton bureau? Alors, là, on a ma trousse, comme ça, avec tout ce qu'il faut, là, dedans. On a ma règle, on a mon ciseau, on a mes crayons, on a mes stylos. Bref, on a tout. Tout pour faire les devoirs, en fait. Oui, tout pour faire les devoirs. On aura aussi des coloriages à faire pour les devoirs. Peut-être. Alors ensuite, t'as quoi? Ton petit journal intime, ok, petit poster. Et puis là en bas, t'as quoi? Et regardez ce qu'on avait eu dans une vidéo. Ah oui, ça c'est les Lockstars, ouais. Ouais, et j'ai mis là parce que j'ai pas envie qu'on me le vole quand même. Et on sache tous mes secrets, surtout. Ah, tu as pas envie qu'on sache tous tes secrets? Bah forcément, tu sais bien écrire, c'est vrai. Bah ça, parce que tu mets secrets aussi. Ah, ça c'est quoi qu'il y a dedans? Alors, cette trousse, elle est vraiment grosse car il y a tous mes feutres, car j'ai beaucoup de feutres. C'est tous les feutres des années précédentes en fait qui écrivent encore. Ouais, en fait on les a achetés, hein, ils sont nouveaux. Hein. Ah oui, t'en as aussi des neufs aussi, t'en as des vieux, enfin pas de tout. Et cette trousse, elle est très dure à, vous voyez, à fermer et à ouvrir. Ok, bon, ça c'est coloriage, enfin, c'est tout ce qui est coloriage et créatif en fait. Et là en fait, c'est pas créatif, c'est ni coloriage. C'est modelé. Ah oui, c'est ton Da Vinci. Voilà. Ouais, le Da Vinci d'Océane. Voilà. Alors, je tout dans sa boîte. On achète des couleurs. Hein. Ouais, si tu veux. J'en avais vu en magasin. Et ensuite, qu'est-ce que tu as en bas? Donc, toutes tes feuilles en fait. Tout ce qui est pour dessiner. Ouais, là, on a plein de coloriage. Et puis voilà. Et ouais. Ta petite chaise aussi. Ouais, et on a un poster, je ne l'ai pas montré. Un poster que j'ai eu avec mon album. Panini. Voilà. Ouais, mon album de mes bons points qui vient. Et là, on a des bons points, des étiquettes à coller. Ok. Donc, celles-là, je les ai fait, il faudra les acheter. Et voilà le poster. Et les dents. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Ouais. Alors, moi, je vais le ranger là où il était. Est-ce que moi, je range toujours mes affaires, hein? C'est important. Oui, ça fait pas très longtemps que tu ranges tes affaires en même temps. Ah, oui. Et j'ai rangé ma chambre. Chaque là. Voilà. Alors ensuite, là, on a ta petite chaise rose. Ouais. Et puis dessus, ta blouse pour l'école. Oui. Voilà. On n'a pas besoin d'en racheter une. Là, on a ma poubelle peinte. Petite poubelle, là-bas, voilà. Et puis c'est bon, c'est tout. Ma calcul. Calculatrice. Alors là, c'est un truc très important pour les enfants qui sont sages. Alors, c'est quoi? Les bons points. Alors, quand je suis sage, j'ai des bons points. Voilà ce que c'est, les bons points. Voilà, quand tu es sage, tu as des bons points. J'ai des bons points, c'est tout dans cette boîte d'animaux. Moi, j'ai choisi les bébés animaux parce que j'adore les animaux. C'est trop kiki. Et quand tu as 10 bons points, qu'est-ce qui se passe? J'ai des étiquettes d'album Panini que je viens d'avoir, que je ne sais plus où je l'ai mis. Oh Dieu. Voilà, donc si elle est sage, Océane, qu'elle a 10 bons points, elle a droit à 5 pochettes d'étiquettes Panini pour mettre dans son album. Et voilà. Là, et j'ai choisi cette boîte parce que comme j'ai des bons points d'animaux et que là il y a un chat dessus, regardez. Et ben j'ai mis mes bons points là-dedans. Voilà. Je sais pas pourquoi. On continue avec quoi, Louloute? Mon armoire. Alors c'est pas forcément une armoire, hein. C'est des étagères. Voilà. Voilà, donc là on a plein de bazar. Tout en haut on a mon maquillage, etc. Donc là déjà on a la tirelire, Super Sand, etc. Là on a le maquillage, tout ce qui est pour se faire belle en fait, avec tes brosses, enfin plein de choses. Ouais. Là on a quoi? Alors en fait c'était une armoire là. Et j'ai enlevé une parte, voilà, pour faire des étagères. Comme ça, au moins, parce qu'elle était cassée en fait. Ouais, elle avait cassé la porte, Océane. Elle s'était pendue. Je sais pas ce qu'elle fait, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a recyclé en fait. Ouais, alors là, on a mes serre-têtes. Alors, mon serre-tête de Spirou, on a plein de choses. Ouais. Là, on a mes Samsung que je viens d'avoir. On a mes pop là, une pop là-bas, si vous verrez pas. Je pense que c'est une pop là, de la flèche. Voilà. Là, on a mes figurines. Ouais, plein de choses. Voilà. Ensuite, là c'est quoi? C'est plus à ma hauteur, hein. Là c'est mieux, hein, je trouve. Hein? Alors là, on a tous mes livres derrière. On a des gros livres qu'on lit des fois les soirs. En fait, c'est des histoires de soir, ceux-là. Oui. C'est des gros livres que maman me lit des fois. Là, on a ma petite boîte de la petite souris. Alors, c'est pas qu'on l'a sortie il y a très longtemps, c'est qu'on l'a sortie
hier parce que j'ai perdu ma dent hier soir. J'ai perdu une dent. Et voilà, et j'ai gagné une pièce de 2 euros, une crosse, avec une perle et mon prénom dessus. Là, il y a mon miroir de Barbie que j'ai eu à Pâques. Il est beau. Avec des élastiques dedans, pas grand chose. Hein. Ouais. Et ensuite, alors, on va peut-être pas faire toutes tes bricoles, hein, parce que sinon, on va y passer la nuit, hein, Loulou. T'en as du bazar. Ouais, hein. on a du. C'est quoi? C'est un truc d'Elsa, ouais. Pour les glaces de Elsa. Puis derrière, on a plein de livres encore. Et puis encore, on a mis mon squishy qui était là. Hein. Ton squishy, oui. Et puis en bas, on a quoi? Alors, c'est quoi ce qu'il y a en bas? Tout en bas, là. Tous mes slimes, pas intelligentes. Tous les slimes, ils sont là. Voilà. Voilà, là, il y a mon arbre. Gardez un peu tout ce qu'on a comme slime. On en a plein. Et encore, ils sont pas tous là. Il y en a qu'on a jeté qui étaient foutus. Oui, d'ailleurs, il faut encore en jeter. Voilà, et puis peut-être on va en mélanger aussi. Il y a des copains qui nous ont demandé de mélanger nos slimes ou de présenter tous nos slimes. Alors là, c'est mon armoire de déguisement. 3, 2, 1. Ouais. Voilà mes déguisements. Voilà, alors là, ce sont toutes les robes de princesse d'Océane avec ses déguisements de clown, etc. Voilà. Là, on a même Vaiana, là. Elle est où, elle? Là, il y a Vaiana. Là, il y a la Reine des Neiges. Il y a plein de choses. Anna, la fée. Il y a Cendrillon, il y a plein de choses. Il y a des robes, il y a aussi des habits pour bébé, il y a encore. Et là, il y a toutes tes affaires pour tes poupées. Ok. Et là, on a encore mes habits de Halloween avec mes accessoires. Oh ben, ça en fait des choses. Oui. Alors là, on a quoi par terre là? Là, on a mon sac que je viens d'avoir chez Mamie Milik. C'est ma mamie en fait. Il a un petit peu mal, le chien, je sais. C'est la peine de le montrer. Il est un petit peu moche. Bon, ben voilà, comme ça c'est dit. Ok, moi je le trouve mignon. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau son petit sac. Il est mignon. Non, oui. Elle le trouve moche, non, n'importe quoi. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? La maison de Barbie. On va pas faire le tour de la maison de Barbie. Oui, on l'avait déjà montré. Ouais, on a juste. Je vous montre que j'ai. Moi je mets toujours des Barbie là car c'est très sympathique. On voit que c'est la maison de quelqu'un en fait. Mais en vrai, c'est pas la maison d'Anassa. En vrai, c'est la maison de Barbie. Okay. Là, c'est bien affiché. Ensuite, on a. Ma chaise pour bébé, bien sûr. C'est pas pour les vrais bébés. Hein. Surtout, ne mettez pas un vrai bébé dedans. Parce que ça, c'est des chaises pour les petits poupons. On a deux biberons dessus, j'ai eu, voilà. On a mon aspirateur d'ailleurs que je n'en sais plus parce qu'il est là, je ne l'avais pas vu. 2 mini. Ben voilà. Voilà, petit aspirateur, 2 mini. Ok, et puis là on a le plus important. Le lit. Alors, j'ai le lit rempli de bazar. Regarde, j'ai changé un petit peu de place. Voilà, on a mis un nouveau drap. T'arrives à dormir avec tout ça? Oui, regardez où je dors. Et je dors bien comme ça. Mais comme je bouge dans tous les sens, moi, heureusement qu'on a pris un lit carrosse, pas un lit en hauteur. Il va me changer ce lit. Oui, on va peut-être te le changer d'ici quelques temps, ouais, ce lit, parce que c'est très joli. Mais par contre, c'est très très embêtant pour maman pour faire le lit. Et voilà. Donc celui-ci, ben, on le changera et puis je sais pas, on va le vendre. Et quand je le cogne aussi des fois. On va peut certainement même le vendre. Et puis voilà, et puis le changer. Voilà. Bon bah écoutez, c'est fini? Là il y a tout le bazar des peluches d'Océane, il y en a énormément. Voilà, t'as fini le retour? Ah non, on n'a pas fini! Regardez ce que j'ai là! Ah oui, très très important les glaces. Bah oui, la marchande de glace. Bah ouais. Pas la marchande de glace, mais la marchande de. Fast food! De fast food, ça s'appelle. Voilà, et là on a une maison d'œuf dur. Voilà. C'est bon, t'as tout fait? T'as fait tout le tour? Ouais, j'ai tout fait, tout. Ok, bah c'est cool. Ouais, ma chambre elle a vraiment changé, vous avez vu? Quand on a changé! Et là, si vous avez pas vu, il y a les peluches là-haut là. Oui, j'ai montré aux copains ton bazar là-haut. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, on a changé un petit peu, on a enlevé des choses. On a donné des choses un petit peu aux enfants. On a fait plein de choses, voilà, on va encore faire du tri un petit peu, hein. Car c'est encore un petit peu le bazar, voilà. Et puis, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires, les amis,
Qu'est-ce que vous avez préféré dans la chambre d'Océane? Ses étagères, son armoire, son lit, son bureau, c'est Sylvanian, enfin je sais pas, dites-nous tout dans les commentaires. Il y a ça, il y a encore ça, oui. Oui, bon oui, il y a plein du bazar. On va vous laisser, surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Bisous, bisous, ciao, les amis. Ciao, les amis.